Salut à tous les joueurs et à toutes les joueuses, c'est Vecrax. Et donc on est ici donc sur Limbo, un jeu qui a été développé par Playdead, édité par Playdead et Microsoft. Donc Microsoft, pour savoir, c'est juste pour la Xbox, donc disponible en jeu arcade. C'est un vieux jeu, c'est-à-dire que il est pas de cette année. Donc voilà. Beaucoup de personnes m'ont conseillé de faire ce jeu, notamment mes amis, parce que il y a eu un bon scénario et donc du coup ben voilà. Donc du coup ben je vous le présente. Donc ils m'ont dit que voilà, il était intéressant à jouer et c'est très très dur. Donc ben voilà, je suis ici donc pour vous le présenter et de faire un petit playthrough dessus, pourquoi pas. Enfin, je pense que c'est ce que je vais faire toute l'histoire et de vous le commenter en même temps en live. Donc c'est mon premier playthrough. Donc voilà, soyez assez indulgents sur ce que je fais et surtout à ce que je parle. Parce que voilà, c'est mon premier playthrough, c'est la première fois et voilà. Enfin bref, assez parlé, je pense que tout le monde veut découvrir ce jeu. Donc c'est parti, on se lance. C'est parti. Donc voilà. On joue un enfant, donc je pense qu'il a perdu sa petite sœur, à ce qui paraît. Et il doit la retrouver. Voilà. Et donc il va suivre une aventure donc dans une forêt assez sombre et assez sinistre. Donc c'est un assez bon environnement. Donc voilà, là il est réveillé. Je sais pas comment s'appelle ce petit garçon. Vraiment, voilà, je suis en pleine découverte. J'ai pas fait. J'ai fait juste un peu la fiche du jeu, mais c'est tout quoi. Je suis vraiment en pleine découverte et j'ai essayé de pas trop rusher le jeu. Parce que je pense que c'est pas un jeu à rusher. Je pense que c'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir, donc. Sur ça, ne vous inquiétez pas. Oh, attention. Ah oui, c'est bon. Ça glisse. Hop. Attention. Alors. Ah oui, là donc là c'est un chariot. Oula, bébé. Ah, il veut pas tenir vite, vite. Ah, c'est bon. Une corde. Il faut descendre. Bon, j'ai joué un tout petit peu pour voir s'il marchait, si je pouvais recorder dessus, mais franchement, c'est tout. On va sauter par là. Oh. Ouais, c'est bon. Il s'est pas tué. Ah, nous avons un bateau. Oh, ben. Ah, cool. Ouais, donc je pense que. Il doit être pas mal quand même. Là, déjà, bon, franchement, je suis séduit. Il coûte pas très cher en plus. Donc, franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, je pense que. Faites comme moi, voilà, je suis en pleine découverte. Vous faites comme moi, vous faites des petites playthroughs et voilà. Faites comme moi et. Non, plus sérieusement, je pense que il doit être pas mal. On est atterri. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ah donc en fait voilà, s'il met ses bras, c'est-à-dire qu'il peut attraper quelque chose. Et je pense qu'il faut le caler pour qu'on puisse sauter. Je m'écrase pas. Ouais, voilà. Allez, hop, 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 hop. Hop. Et allez, on monte. Tic, 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 tic. Au moins, quelquefois, je vais l'appeler le petit Limbo parce que je sais pas son nom, franchement. J'en ai aucune idée, j'essaierai de me renseigner un peu plus sur ce jeu. Je suis vraiment désolé. Mais je sais pas comment il s'appelle, donc je vais l'appeler pour l'instant le petit Limbo. On va bien voir. Là, je peux pas sauter là. Ah, mais il peut le prendre. Ah oui, parfait. Ah, parfait. Allez hop. Tuk tuk, on continue sa route.
Titi. Hop. Oh là. Ah, ça doit être un corps. Mais pourquoi il y a ça? Ça fait rien? Sinon, je vais pas me le prendre. Oh putain! Ah non, c'est bon. Ah oui, d'accord. Et là? Ah ben voilà. Nickel, grâce à la chance. C'est nickel, c'est nickel. Oui, cours, cours. Cours, petit Nimbo, cours. Oh là là là. Ah, j'ai failli me le prendre celui-là. Ta 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 ta. On court, on court, on court. Vite, faut sauver la petite sœur. Alors. On peut pas rattraper. Ah mais faut traverser. Oh mais il tient pas. Allez. Non. Non, non, non. Non, non, non. Et oui, parce qu'en fait, en plus, il peut pas nager. D'accord, ok. En plus, il peut pas nager, quoi. Il est pas capable de nager, quoi. Ah, mais. Ah, peut-être que je vais faire. Non, non, je pense pas. Il va mourir. Peut-être que grâce à ça, je peux monter. Sinon, ben. Je vais pousser dans l'eau. On va bien voir. Ah ouais, ça m'a l'air un peu haut. Ah non, c'est bon, il peut l'attraper quand même. On peut se balancer. Ah oui. Oui. Oh oui. D'accord. Moi, je descendrai pas, je vais me tuer là. Hop. Ça c'est fait. Putain, je suis un pro. Oh, nickel, je suis un pro. Et là, par contre, on peut le pousser. Donc voilà, donc en fait, c'est ça qu'il fallait aller dans l'eau. Allez, pousse. Hop. Ah ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis mort que quelques fois là. Je suis pas mort beaucoup. J'espère ne pas beaucoup mourir. Oh non, putain. Oh putain. On est déjà venu, au revoir. Que vas-tu faire? Ah. J'ai entendu un bruit. Ah d'accord. Ah, si je pense que c'est ça. Peut-être que ça peut. Ouais, voilà, mais c'est bon, j'ai raison. Et donc là, alors, faut pas que je me le prenne. Ah, normalement, faut le mettre là. Hop. Allez, viens. Non?
Ah bah alors là. Peut-être comme ça. Oh putain, j'ai chaud. Ah oui, d'accord. Ah, vous croyez que c'est comme ça? Enfin, en faisant ça. Oh putain. C'est moi l'araignée à ronronne. Ah mais voilà. Ça, c'est fait. Enfin, par contre, c'est mal fait, hein, d'utiliser toutes ses pattes pour remonter. Allez, on va sauver notre petite sœur. Oui, on va sauver notre petite sœur. Allez. Wouh. Allez, on va sauver notre petite sœur. Hop là, c'est quoi ça? Ah, ça me ralentit. Là, je vais mourir là. Il doit y avoir un truc. Ah mais... Je vais pas remonter. Pas un truc à prendre, voilà. Peut-être le sauter. Ah non, mais on peut pas sauter quand on est dedans. Quand on est dedans, on est mort. Hein. Allez, non. Ah, peut-être que on peut continuer quand même. Oh, il fait quoi? Non. Qu'est-ce que ça fait? Oh putain, elle est là, vite, 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 vite. Non, arrêtez, non. Putain, voilà, je vais mourir, putain. Voilà. Allez, c'est fini pour moi. Ah, carrément. Ah, sinon, on peut passer. Ah, je suis encore vivant. Regardez. Lâchez-moi. Ouf. Allez, on s'en va. Il est trop con, mec. Allez, oui. Oh! J'ai eu putain de chaud là, j'ai failli mourir. Je me suis pris l'arbre. Peut-être que c'était comme ça pour couper le cocon. Ouais, mais non, mais là il se fracasse la gueule aussi. Ah putain, la revoilà. Ah, je vais mourir. Vite, vite, vite. Et ciao, bambino. Il a pas eu de traumatisme crânien ni rien, putain. Ouais, ça va le mec, tranquille. Par contre, t'as un petit reste de cocon dans les cheveux. Ah, c'est perturbant. Hein? C'est quoi ça? Oh! Ah, il est parti. Ah, c'était un mannequin, c'était un piège.
Ouh, ça je le savais en plus. Et quand je prenais l'alien là, c'était sûr, ça se déclenchait. Ça me paraît quand même assez bizarre là d'y aller comme ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres chemins. Je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir d'autres chemins. Non? Eh ben voilà. Ah ben ça c'est fait. Alors là, par contre, je suis trop con. J'attends plein de trucs quoi. Ah ben là. Ouh. Comment faut faire? Ah ben voilà, c'est comme ça. J'ai failli mourir là. Putain, fuck. Ah merde, putain. Je suis trop intelligent. Ça par contre, je l'ai pas vu. Non, merci, je l'ai vu. Mais c'est pas une araignée, ça. Une araignée? Eh, il y avait un... Ah ouais, d'accord. Il y avait quelqu'un, aidez-moi! Je trouve, il sait où. Il sait où est ma petite sœur. Non, je vais me la prendre, je vais me la prendre, voilà, c'est bon. Je suis mort. T'as tout brûlé. Alors ça. Ah d'accord, ils ont des lances et tout. D'accord. Ouais, moi j'ai rien. J'ai pas un pélo moi. J'ai absolument rien. Oh mais... D'accord. Ok, bon ça, ok, ça c'est fait. Alors comment je dois faire? Oh mais... Et comment je fais? Je peux pas me baisser. Mais comment... Mais putain, mais comment on fait? Je peux pas me baisser. Peut-être essayer de l'esquiver. Là, par contre, je vois pas. Hein. Autant j'ai essayé de l'esquiver, mais. Ah, si, voilà. Ah, ouais, mais voilà. Merci. Comment je fais là? Comment je saute? Là, je peux... Oui, mais ça va pas m'amener où... Ah, mais je vais aller là-haut. D'accord. Ok, mais ben ça c'est fait. D'accord, ok. Et là, par contre, on peut pas les prendre. D'accord. Bon, ben je pense que ça va être bon. Tu
Oh, vite! Non, aïe. Oula. Non, allez, putain, je. Cours, 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 cours. Non. Comment on fait? Aïe, je vais mourir. Ah oui, vite. Ah, c'est grâce à ça. Je vais mourir. Ah bah elle est tombée. Yes. Voilà. Non. Putain, mais je suis con. Oh. Allez. Ça. C'est fait. J'ai plus de chance, putain de chance, hein, sachant que je l'ai jamais fait ce jeu. En fait, voilà, je peux presque pas parler tellement que j'ai de la chatte en fait. Donc, en fait, je sais pas comment. Ouais, je crois que je dois changer le mode. Il y a peut-être un mode facile ou difficile. Mais là, par contre, je sais pas. Parce que je le torche, là, je le rush. Hein. Un peu. On va se calmer un peu. Mais aussi, c'est pas ma faute à moi. Pas ma faute à moi. Et comment je fais là? D'accord. Ah d'accord. Berk. Berk. Et on peut pas le prendre? Ah non, on doit prendre ça. Ah, c'est la tête de l'araignée. Eh mais. Eh. Ouais, mais comment je fais? D'accord. Ouais. Allez, vas-y, pousse là. Peut-être que c'est grâce à ça que je peux sauter dessus. Je sais pas. Hein. Ah oui, c'est bon. Bon, c'est pas que je rush le jeu, mais un peu. Ah, vas-y, cogne-le encore. Il va tomber. Ah non. Non. Oui, d'accord, tu gueules, d'accord. Y a quelqu'un? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oula, réveille-toi. Ça c'était obligé. Alors ça c'était obligé. Vraiment trop con. En plus, ça sert à rien ce que je fais, il se réveillera pas le mec, je sais en plus. Il est mort. Et là par contre c'est effiloché, on entend craquer. Au revoir. Allez, glisse, comme ça je pourrais pouvoir monter. Hop, ça c'est fait. Tac, voilà. Oula. Ça devient de plus en plus noir. C'est quoi ce truc? Bon.
Ok, d'accord. Je dois sautiller sur les corps. Ah, je suis allé trop vite. Mais il est bête. Mais t'es bête, mon gars. Ah, mais c'est la lumière sur lui qui lui fait faire des trucs. Je pense, hein, parce que. Vraiment, là. Le mec se jetait à l'eau. Et se noyer. Peut-être qu'il. Ouais, ou alors peut-être qu'il a eu peur. Ah oui, peut-être qu'il a eu peur. Oui, mais. Il est mort, le type. Ah, c'est troll, hein. Ah, c'est troll. Ah, c'est troll. Ah, franchement, bravo. Peut-être que je dois aller super vite. Non. Ah ben non. Ah ben ça c'est fait. Peut-être prendre un corps. Désolé petit bonhomme. Ah ben oui. Oh mais en plus le pauvre, non mais le gosse il doit avoir 12 ans, il traîne un corps comme ça là. Il doit avoir 12-13, il traîne un corps d'enfant. Mais vraiment. C'est quoi ça? Le pauvre. Ah. Quoi ça? D'accord. J'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris les potes là. Bah oui, mais non, mais d'accord. Un truc. Non, bah non. Alors que il a rien pris, hein. Mais là, ce corps-là, je peux pas le prendre? Là. Mais là je vais mourir à peine que. Ah non, d'accord. Oula. Ah ben voilà. Non mais c'est. Voilà. Et donc ça, je dois pas appuyer sur le bouton. D'accord. Mais c'est très bizarre, hein. Non, ils vont me tuer. Oh ben voilà. C'est terminé. Ah oui, d'accord, ben je dois les amener. Putain. Voilà. Bonjour. On ne dira rien. Mais non, j'y ai pas appuyé dessus. Putain. J'ai pas mis un seul pied dessus. Oh là là. Et là, faut voir, là, faut pas. Et là. Ça va tomber. Boum. Headshot. Mais non, mais. Mais de là, mais. Mais j'y étais en plus, j'y étais presque. Oh. J'étais presque en plus, putain.
Non, c'est pas pour moi. Hop. Allez, un de mort. Un deuxième. Et un troisième. C'est bon. Je peux passer. Passons. Le petit garçon, le petit limbo, il en a marre de courir. Il marche. Ouais. Là. Ouais. Bon, vous savez quoi, on va faire quelque chose. Je vais vous laisser ici. Hein? Donc ça sera pour le deuxième épisode. On va pas tout faire non plus, hein. On va pas tout faire, hein. On n'est pas, hein. Je suis pas un magicien, hein. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, j'ai complètement accroché sur ce jeu. Donc là, vraiment, je vais vite faire l'épisode 2 et je vais vous la mettre en ligne très très vite parce que là, j'ai envie de connaître la fin. J'ai envie de connaître la fin. Donc voilà, donc pour moi ça a été un plaisir de vous présenter donc ce petit jeu. Je vous retrouve donc pour l'épisode 2, qu'il va sortir bientôt. Et donc je vous dis, ben, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, c'est le jeu, ça doit rester un plaisir. Jouer, ça doit rester un plaisir. Allez, ciao ciao, bye bye.